Salut! Ça y est, on a démarré. On a quitté Lanzarote au moteur. Et on en a pour 5 heures jusqu'à La Graciosa. On arrive sur la Graciosa et ça bouge un petit peu, c'est bien, agréable, on avance bien. Le vent, il est comme ça. Et le problème, c'est bien là, on va tourner là, on va tourner. Le tourner, on a le fait. Ah, tu vois, je le vois, le gars, il est là. Ok. Tu vois Tu as peut-être le faire. Ouais, je vais le faire, ouais. C'est une fois gentille. Oui, elle joue pas, vas-y. Alors ça y est, on est arrivé à la Graciosa, à la Restinga, plutôt au port. On devait aller mouiller à la Praia del Francese, mais il y avait au moins 30 nœuds de vent là, de la folie. Donc on est venu direct ici, on ira demain. Demain le vent est tombé, tombera. Il y a pas beaucoup de monde, mais c'est cool. D'habitude c'est très difficile d'avoir une place ici, mais Covid oblige, il y a de la place. Ah d'ailleurs Covid, ça veut dire qu'il faut que je porte un masque. Il faut porter un masque et moi j'oublie tout le temps le masque, c'est ma spécialité ça. Bon, je vais aller chercher un masque. Ah, c'est les rues avec c'est le village ici. Alors c'est un village de surf aussi, il y a pas mal de surfeurs. Alors on se mange un petit poisson. Alors je vais vous montrer. Et c'est un restaurant de pêcheurs. Donc j'ai choisi mon poisson ici. Voilà. Tu choisis ton poisson, on a toutes les couleurs. Et puis on te prépare ça. Alors là je me mange un petit poisson grillé. Ils m'ont préparé, c'est super bon, bien épicé. Et puis alors regardez-moi cette vue. Regardez, ça y est, c'est nuageux, mais il fait beau. On est le 14 novembre. On est en short, tranquille, un petit vent chaud. C'est le confinement en France. Ben, nous aussi, on est confinés, on porte des masques. Mais bon, on peut manger dehors. Et puis, on vit dans un petit paradis. Là, franchement, ça, c'est une île où vous pouvez faire un film. Hein. Ah ouais, où vous pouvez faire un sacré. On se croirait un peu en Grèce d'ailleurs. Alors là, c'est les restes d'un catamaran qui s'est échoué, tout simplement. Le moteur fonctionnait plus, d'après ce que j'ai compris. Et le vent l'a poussé dans les rochers. Voilà. Hier, on avait un vent, il faisait au moins 30 nœuds. Et il descendait de là, la mer était levée, c'était impressionnant. Aujourd'hui, c'est un calme plat.
mais très souvent il y a beaucoup de vent entre ces deux îles. Les mâts là-bas, les mâts de bateau, ouais. C'est le mouillage. Ok. Ah oui. Viens, tu peux prendre la barre un peu. Je vais aller voir devant parce que faut que je prépare mon train. Les gars, faut pas m'exploser l'annexe.